Bonsoir, heureux de vous savoir nombreux à regarder de nouveau cette émission, l'édition de ce mardi, carte sur table, 21h-23h, un seul thème ce soir, une forme de prolongation entre le ministère des Sports et de l'éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Vous le savez, une forme de crise couvre entre ces deux structures chargées, entre autres, de l'organisation et du football camerounais autour de la nomination du staff technique, mais également administratif des Lions Indomptables. Depuis vendredi dernier, donc, le ministre des Sports a décidé de nommer Marc Brice, le nouveau entraîneur sélectionneur et son staff, pendant que la Fédération camerounaise a dit ne pas reconnaître cet entraîneur-là, ce staff, et s'est donné 72 heures pour réagir, du moins nommer notre staff technique. Ce soir donc, on va essayer d'en parler avec les spécialistes sur les questions sportives. Ils sont quatre déjà dans ce studio. On va, qui sait peut-être, faire des propositions également pour qu'à l'avenir cesse évidemment ce genre d'attitude. J'ai d'abord bonsoir à Georges Rim. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes analyste sportif, bien connu sur les antennes de Radio Sport Info. Merci d'être là ce soir. Hervé Junior Ménon, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci de nous avoir conviés à ce débat. Journaliste, merci également d'être là. Colbert Yompan, bonsoir. Bonsoir. Journaliste également. Ouais, aussi curieux que cela puisse paraître. Ah, pourquoi c'est curieux? La 50e fois que je suis à STV, mais la première fois à 4 suite à... Ah oui, ça... Ah oui, ben vraiment merci pour ce plaisir que vous nous faites d'être là ce soir. Et à tous d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de rentrer dans l'espace jeu de Lydie Makeda, mais l'actualité nous y oblige un peu. Cette émission, elle est un peu polyvalente, très souvent politique, économique. Ce soir, on va faire un peu de sport, qui c'est peut-être sous fond de politique, parce qu'il faut également voir les enjeux et les contours de cette histoire-là. Merci à vous. Derrière, on aura Serge Pensi, qui est déjà dans ce studio, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il va prendre, évidemment, le train en marche pour le débat de ce soir. On prendra la transition et on y va tout de coup. Alors d'abord, on fait comme petite historique de ces relations entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de foot. Georges Rim, pour dire que nous n'en sommes, qui c'est peut-être pas la première de ce genre de situation, un épisode qui, comme si c'est devenu récurrent dans les gènes du sport, du football, notamment des Lions Indomptables, on dirait que ces deux structures n'ont pas l'habitude de toujours s'accorder sur ces questions-là. Oui, tu fais bien de le dire qu'on n'est pas à la première crise que connaissent ces deux entités, la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Je pourrais même dire que depuis que le mode de désignation des présidents à la Fédération camerounaise de football est celui qui s'opère par voie ou par mode d'élection, on a affaire à ce type de tiraillement, à ce type de problème entre ces deux structures. Du temps où les présidents de fédération étaient nommés, je ne me souviens pas que l'on ait eu à vivre ce type de tension, de guerre ou de crise. Et je remonte à la période d'Ia Mohamed pour me rappeler de la première crise, la première tension entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football. Après il y a eu Tombi et aujourd'hui c'est avec Samuel Eto'o-Fiston. Nous sommes un peu habitués, si j'ose dire ainsi, à ce type de fait ou de situation entre la Fédération camerounaise de football et le MINSEP. Comment qu'est-ce qui peut justifier ces récurrentes remontées de l'une ou de l'autre partie dans ces crises? Souvent c'est comme une accalmie, mais aussitôt que autour des compétitions, des désignations, des convocations des joueurs, on a toujours ce sentiment de bicéphalisme autour de cette équipe. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Qu'est-ce qui peut le justifier? Le nerf de la guerre, je crois. Georges me faisait bien de le rappeler. Quand le président de la fédération était nommé, ce problème ne se posait pas parce qu'il était
complètement inféodé à l'exécutif. Il était comme un employé du ministère de la Jeunesse et des Sports. À partir du moment où ils sont élus et à partir du moment où la FIFA se faisait un peu très regardante, le problème s'est posé en ceci que l'exécutif, le gouvernement ne voulait pas complètement perdre la main sur la sélection nationale qu'elle finance. Pourtant, à son temps, le président IA a mené le combat de voir la FECAFOOT vivre de ses propres moyens et l'équipe nationale du Cameroun complètement financée par la FECAFOOT. Et la désignation de l'entraîneur devait donc incomber à la FECAFOOT, mais l'exécutif n'a pas voulu laisser complètement l'équipe nationale du Cameroun et c'est cette situation qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors, Hervé Junior, y a-t-il lieu de désespérer? Peut-on croire que définitivement, on n'est pas à l'abri, qui sait peut-être de ces crises? Est-ce que celle-ci ne vient pas confirmer que dans le quotidien, dans la gestion, notamment de notre équipe, il y aura toujours ce genre de grincement dedans, l'un qui voudrait marcher sur les godasses de l'autre? Dimitri, elle vient confirmer, mais je pense qu'elle vient, elle paraît même plus grave. Et je crois que c'est pour cela que vous le disiez tout à l'heure, qu'une émission qui traditionnellement est réservée au sujet d'ordre économique, d'ordre politique, on est à parler de sport aujourd'hui parce qu'on n'est même plus seulement dans le sport, on est dans la gestion du football, donc la politique sportive. Je pense que la situation est beaucoup plus grave parce qu'il y a eu des présidents de fédérations qui ont souvent tenu tête. D'ailleurs, l'ancien ministre des Sports, le regretté Joseph Owona, professeur, disait qu'un bon ministre des Sports ne peut pas s'entendre avec un président de la fédération. Donc, les échanges ont souvent été conflictuels entre les deux instances, mais il n'y a pas eu comme cet affront que l'on voit aujourd'hui, où on voit clairement une défiance de la part de la Fédération Camerounaise de football qui écrit, dont le président écrit et estime que voilà, on lui marche entre guillemets sur les orteils. Donc je pense que c'est ce point, j'ai pas envie de dire un point de non-rupture, parce que je pense qu'il y a toujours des choses qu'il y a. D'ailleurs, les dernières séquences, les derniers épisodes, peut-être laissent espérer qu'il commence à avoir un peu d'accalmie de part et d'autre. Quand je parle des dernières séquences, je parle de la dernière missive, la dernière lettre de Samuel Eto'o, lorsqu'il il répond au ministre qui le convie à la signature qu'il y a eu il y a quelques heures au ministère des Sports. Il n'est plus très sec dans sa façon de réagir. Il répond, mais il dit qu'il ne viendra pas parce qu'il est en deuil. Donc je pense qu'il peut avoir une sorte de paix des bras finalement entre les deux instances, mais ça n'enlèvera pas qu'on est quand même arrivé à un niveau où on arrive très rarement, un niveau où il y a une vraie défiance, où on a comme l'impression que l'un et l'autre tiennent des positions que nous on ne voit pas. C'est comme si en filigrane de ce combat-là, il y a un autre combat qui se joue et que ce n'est pas seulement sur le terrain du sport. Sèche, merci, bonsoir. Bonsoir, député, bonsoir tout le monde. Merci d'être des nôtres. Quel est l'enjeu véritable, au-delà de toutes les questions qu'on pourrait se poser sur la désignation par l'une ou l'autre partie de l'entraîneur, mais aussi des autres membres du staff? Mais l'enjeu, c'est le respect des règles dans la société, c'est tout. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que, comme partout ailleurs, je vais vous dire qu'il y a un code de la route. C'est-à-dire que quand il y a le code de la route définit comment on doit utiliser cette route, il y a en l'espèce ici-là, il y a le décret de 2014 qui définit comment on doit nommer un sélectionneur, qui a la charge de nommer un sélectionneur, qui a la charge de nommer tel dans la sélection. Donc le décret est là. Et il y a une convention qui définit l'application harmonieuse du décret. Donc c'est là, c'est la plateforme où tout ce monde-là doit agir. On ne doit pas sortir de ce cadre. Le cadre est bien défini. Et à partir du moment où on sort de ce cadre, on crée d'autres problèmes. Je crois que c'est ça le problème.
Je ne vois pas un autre enjeu. Alors, venons-en à la véritable problématique. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, je poserai la question à chacun, et on pourra sur la base de son expertise. Quel est le processus véritable de désignation de l'entraîneur sélectionneur et des autres membres du staff, indépendamment de nos textes, vous inspirant peut-être de ce qui se passe ailleurs ce soir. Il y a une rencontre assez joviale qui se joue, Real Madrid, je ne sais pas trop, contre Manchester City. Là-bas, on a recruté des entraîneurs, on recrute de staff médical, on recrute. Je dis, indépendamment de comment ça se fait chez nous, comment on fait pour recruter un entraîneur? Comment on fait pour recruter des adjoints, un staff médical, un préparateur physique, un expert vidéo, toutes ces personnalités qui tournent dans l'animation, l'organisation et le suivi de l'équipe nationale, d'une équipe nationale quelconque. Comment ça se fait par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Égypte, en Algérie, Georges? Je ne sais pas comment ils procèdent au Sénégal, mais globalement, je crois savoir, hein, sans vouloir passer pour avoir la science infuse sur la question, mais je crois savoir globalement que ça ne se fait pas séparément ou alors individuellement. C'est des team coaching qu'on recrute, c'est-à-dire un entraîneur qui vient avec toute son équipe. D'accord. Ses assistants, bref, tout ce qui constitue l'encadrement purement technique d'une sélection. Je dis bien purement technique d'une sélection. Adjoint, préparateur physique, analyse vidéo et tout ce qui constitue un staff pour ce qui est d'une équipe ou d'une sélection. On peut procéder par appel, je ne vais pas dire d'offre, à candidature. Les uns et les autres font acte de candidature et il y a une commission ou une équipe de travail qui est constituée pour évaluer ces dossiers de candidature. Cette équipe de travail, bien évidemment, il faut s'en douter, est composée de techniciens, à la matière qui se mettent au travail et analysent dossier après dossier et finissent donc par retenir celui qui semble correspondre aux attentes du futur employeur. Donc moi je pense que globalement voilà comment on procède. Tu as dit indépendamment de ce qui se passe chez nous. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on devrait procéder. Henri Junior. Je pense que dans votre question, il y a en fait général, il y a deux questions. Il y a comment ça se passe en Afrique et comment ça se passe de façon professionnelle, j'ai envie de dire. Parce qu'en Afrique, on va le dire, il y a une grosse responsabilité du politique. Vous avez parlé du Sénégal, il y a une responsabilité du politique au Sénégal. Dans tous les pays africains, le politique s'immisce un peu, tranche, j'ai envie de dire. On ne fait pas venir n'importe qui à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Le politique a un droit de regard, on ne fait pas venir n'importe qui à la tête des lions de la Teranga. Ça, c'est un fait. Maintenant, au niveau professionnel, vous avez parlé également de ce qui se passe dans les clubs. Et c'est là où le Cameroun fait un peu tâche. Parce que les autres maquillent ça bien, en fait, j'ai envie de dire. Les autres, vous ne verrez pas la fédération de ces pays être mise en mal aussi de façon flagrante. Comme c'est régulièrement fait au Cameroun, on rappelle que ce n'est pas qu'aujourd'hui. On connaît tous l'épisode d'Otto Pfister qui arrive en 2007 et qui vient sans que le comité exécutif de la FIFA, de la Fédération Camerounaise de football, n'ait donné son avis. D'ailleurs, le président de la FECAFOOT refuse de signer le contrat. Il y a une véritable guerre à l'époque. Mais je pense que le profil de l'homme n'est pas le profil de Samuel Eto'o. Voilà pourquoi peut-être les choses ne sont pas aussi flagrantes qu'aujourd'hui. Donc, au Cameroun, ça fait assez tâche. Parce qu'il y a une immixtion claire, réelle, forte du ministère des Sports, anciennement appelé ministère de la Jeunesse des Sports, dans les choix des sélectionneurs du Cameroun. Mais vous ne verrez pas dans un autre pays le politique, le gouvernement, via le ministère des Sports, prendre des décisions concernant, au point de les assumer même, concernant les sélectionneurs, comme c'est fait au Cameroun. On laisse toujours la place à l'organe technique qui est la
qui reçoit délégation en fait du ministère des Sports pour parler football, faire des choix, arbitrer et même parfois même annoncer le nom de celui qui arrive. Donc je tenais juste à faire cette précision là. Il y a une réalité qui est réalité générale, mais en Afrique il y a cette immixtion du politique. Au Cameroun, elle est on ne peut plus importante encore. Ça, je pensais sur la même question. Le processus de recrutement des acteurs. Ben, le processus de recrutement, je crois que le processus normal, standard, c'est que, comme a dit George Grimm, c'est le team coaching. C'est-à-dire que le Cameroun, on ne recrute pas un entraîneur national, un sélectionneur, et on te prend un autre adjoint là-bas, et on prend un préparateur physique, on le call, tout le staff technique. Ces gens qui se connaissent. Ce sont des gens qui se connaissent. Qui marchent ensemble. Généralement, c'est que le coach, le sélectionneur qui arrive, vous dit, j'ai une analyse vidéo, j'ai un entraîneur, j'ai un préparateur physique, j'ai un médecin, j'ai ceci, j'ai cela. Maintenant, il vous dit, ce qui a à pouvoir, les postes qu'il n'a pas, peut-être au niveau du Cameroun, coordonnateur de l'équipe nationale, team press et tout. Mais ce qui est technique concerne l'équipe nationale, c'est il a la charge. Il peut travailler avec un préparateur physique, avec un ami travailler, et tout ça. Ça ne veut pas dire que le préparateur physique n'est pas de qualité, mais il doit avoir une certaine relation entre les membres de son staff et lui. Donc, généralement, c'est ça. Mais au Cameroun, vous me voyez. On y arrive. D'après les nominations, vous voyez comment ça se passe. Il y a plusieurs variables. Je ne classerai pas en professionnel et amateur, comme l'a fait Hervé, même si à la fin, ce sera presque la même chose. Il y a trois catégories avec des nuances. La première catégorie, c'est des pays où la fédération est complètement autonome. C'est-à-dire les pays où la fédération peut se prendre en charge ou alors se prend en charge. Dans ces pays-là, la responsabilité de désignation du sélectionneur incombe entièrement à la fédération. Et c'est elle qui choisit le mode de désignation. Si on prend l'exemple des pays comme la France et l'Allemagne, les approches ne sont pas exactement les mêmes. C'est la fédération qui choisit. Dans ces deux pays, on a déjà un échantillon d'au moins 10 entraîneurs qui potentiellement peuvent devenir sélectionneurs. Comme aujourd'hui, on sait que si Deschamps n'est pas là, le plus favori, s'il faisait de bons résultats, c'est Thierry Henry. Aujourd'hui, à un moment, il y a eu l'approche Zidane, mais l'approche Zidane n'a pas prospéré parce que Zidane n'était pas du circuit. Il était complètement hors du circuit. En Allemagne, c'est la fédération qui a toujours la charge de désigner le sélectionneur. Et Serge, c'est qu'en Allemagne, par exemple, c'est le directeur sportif qui est aujourd'hui Rudi Völler qui fait le casting. C'est lui qui fait le casting et dès qu'il a fait son choix, il soumet son choix au gremium de la DFB qui le valide. Mais c'est la fédération qui a l'entière responsabilité. Donc ça, c'est le premier groupe là où la fédération est complètement autonome. Maintenant, on vient dans les deux autres groupes, là où l'État met l'argent. Dans ces groupes-là, il y a une différence à faire. Il y a des pays où l'État met certes l'argent, mais n'est pas très regardant. C'est l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple. Vous verrez que le processus de désignation du sélectionneur, même pendant la Coupe d'Afrique, le ministère des Sports n'a rien dit. C'est la fédération qui était aux avant-postes. C'est vrai que le ministère est en arrière-plan, mais elle ne vient jamais en avant-poste critiquer les choix de la fédération. C'est la fédération qui est complètement aux avant-postes. Les choix de l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, vous ne verrez jamais le ministère des Sports venir dire c'est elle qui est le coach. C'est l'État qui finance, mais c'est la fédération qui est aux avant-postes pour désigner. Le troisième groupe, maintenant, c'est le groupe auquel appartient le Cameroun, là où l'État met l'argent et veut avoir son mot à dire. Et
ces pays-là sont regroupés dans les pays où vous avez déjà vu plusieurs fois la FIFA menacer l'état d'ingérence. C'est le cas du Nigeria, c'est le cas du Tchad, c'est le cas du Bénin. Ces pays-là, l'État va avoir son mot à dire. Et si on veut parler du Cameroun, il faut encore nuancer, parce que ça dépend encore des personnalités qui sont au ministère des Sports et à la Fédération. Il y a des ministères des Sports qui laissent l'entière responsabilité à la Fédération sans chercher à aller tacler la Fédération. Et il y a des ministères des Sports qui cherchent à avoir un droit de regard. Quand vous prenez la convention, par exemple, qui a été signé entre le ministre Adum Garoua et le professeur Joseph Ouna, vous voyez que la collaboration entre les deux était un peu spéciale. Si le professeur Joseph Ouna signait cette convention avec le président d'aujourd'hui ou avec le président IA, on n'aurait pas eu le même résultat. Mais le ministre Adum Garoua donnait de l'excellence au professeur Joseph Ouna. Donc il y avait déjà un rapport de subordonné du ministre Adum Garoua vis-à-vis du professeur Ouna. Donc ça dépend vraiment de celui qui est au ministère et celui qui est à la fédération. Et ça peut donner ce qu'on voit aujourd'hui. Venons à la question. Quels sont les critères de sélection d'un staff, d'un entraîneur chez nous? Georges, je vous vois sourire. Oui, parce que d'un entraîneur à un autre, vous comprenez pourquoi je souris. On est en droit de se poser qu'est-ce qui a sous-tendu le choix d'un X ou d'un autre. Parce que, pour parler de Marc Brice par exemple, on a décrié la nomination de Rigobert Fombana au motif de ceci ou de cela. Son inexpérience, des faits d'armes qui ne parlent pas pour lui, des échecs dans les catégories inférieures U23 avec les A'. Bon. Quand on décide de ne pas le renouveler, en principe, si on lui a reproché ces choses-là qui justifient qu'il n'ait pas réussi, entre guillemets, avec les Lions, on se serait logiquement attendu à ce qu'on aille nous chercher quand même, dont les faits d'armes sont plus élogieux que ceux de Rigobert Sombana. Mais qui est-ce qu'on nous ramène? Quelqu'un qui, ma foi, n'a pas un parcours aussi éloquent, aussi élogieux que cela. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, entre les choix qui sont portés sur X et ceux qui sont portés sur Y, on ne sait véritablement pas les critères qui ont concouru à faire ces choix-là. Donc, au Cameroun, je vais le dire ainsi pour répondre à ta question, les critères sont flous. Ils sont flous. On ne les connaît même pas à l'avance. Vous avez des shortlists. Parfois, vous avez eu des shortlists et à la fin, on vous a débauché quelqu'un qui ne figurait dans aucune shortlist. Donc, c'est flou. Je voulais rebondir là-dessus, voilà. Dipita, avec ta permission, pour dire que je corrobore entièrement, c'est très flou le process pour faire venir un entraîneur sélectionneur au Cameroun, c'est très flou. Et critères sportifs, critères financiers. C'est tellement flou que vous ne verrez jamais ni la Fédération camerounaise de football, ni le ministère des Sports venir défendre, venir expliquer. Pourquoi un tel et pourquoi pas un autre. Jamais, on le fait au Cameroun. Donc ça vient confirmer que c'est flou. Mais je tenais à dire quelque chose pour donner du là à ce que nous disons. Un exemple, lorsque Rigobert Son, ce qui motive l'arrivée de Rigobert Son, souvenez-vous, il y a un sentiment national qui voudrait qu'un Camerounais devienne sélectionneur des Lions Indomptables. En fait, c'est ce qu'on ventile au niveau de l'opinion. Il faut que ce soit un Camerounais. Il faut que ce soit un Camerounais. Du coup, les analystes qui disent que Rigobert Son n'a pas le niveau, encore, je dis si c'est sur le encore, n'a pas le niveau, il est certainement appelé à diriger les Lions Indomptables du Cameroun, mais au moment où on le nomme, il n'a pas vraiment le niveau. Ça, c'est des techniciens qui suivent le football depuis un moment qui le disent à cette époque-là. Eh bien, on leur répond qu'il n'y a pas mieux que Rigobert Son en ce moment pour amener le MLE, pour amener ci, pour amener ça, comme si on construit une équipe nationale uniquement avec ça. Résultat des courses, 2 ans plus tard, on revient au point de départ. C'est-à-dire qu'on est pire même que quand Conceição est arrivé. Il a fait reculer l'équipe nationale de plusieurs années en arrière. On ne peut pas vraiment savoir ce qu'il a apporté en équipe. Ce n'est pas quantifiable ce qu'il a apporté en équipe nationale du Cameroun. On le dit avec tout l'amour qu'on a pour lui, mais ce sont les faits. Alors, c'est juste pour dire que ce qu'il
valait, il ne valait pas grand-chose au moment où on le nomme sélectionneur donc des Lions de Notables du Cameroun, mais parce qu'il y a un sentiment national, on le fait venir. On s'attend à ce que, on va rester au moins sur cette base, qu'un Camerounais mérite de continuer avec les Lions de Notables du Cameroun, mais là on change encore complètement, on fait revenir un expatrié alors que il y a encore des gens ici qu'on peut essayer à ce poste qui sont des Camerounais, qui occupent même des postes sur des bancs européens de clubs assez importants, que l'on peut faire venir. Donc c'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas vous dire exactement quel est le projet, quel est le processus de recrutement d'un sélectionneur. Vraiment, c'est, ça dépend des circonstances, ça dépend, tout à l'heure Colbert le disait, parfois même de la tête de ceux qui sont aux affaires, qui est au ministère, qui est à la Fédération Camerounaise de Football, ça dépend, mais ce n'est pas objectif. Colbert, avant, c'est sur la même question, s'il y a des critères, chacun son avis. Si vous demandez à la Fédération ou à la commission ad hoc, qui est chaque fois formée pour étudier les différentes candidatures, il y a des phrases qui reviendront, il doit être un fin connaisseur du football africain, il doit connaître les joueurs africains, il doit avoir eu affaire, il doit avoir de l'expérience internationale, il doit avoir de l'expérience à la tête d'une équipe nationale, mais ça c'est simplement le verbiage. À la vérité, ce qui prime en fin de compte, c'est le réseau et le rapport de force. Quand Despireux venait, c'est l'ambassade de Belgique qui était à la manette. Quand Volker Fink venait, c'est Puma qui était à la manette. Quand Fischer venait, c'est l'ambassade d'Allemagne qui était à la manette. Quand Paul Le Guin vient, la Fédération française de football est mise à contribution, même le gouvernement français est mis à contribution. Donc, quelquefois, le politique, le diplomatique même se joint à l'affaire. Et comme disait Hervé et Georges, quelquefois, il y a même une shortlist, mais en dernière minute, le bon réseau vous surclasse et c'est l'entraîneur qui vient. Quand Rigaud était là, il y avait le président Eto'o venait d'être élu, il avait fait du sélectionneur national une priorité de son plan d'action. Rigaud a une forte cote dans l'opinion, donc c'était accepté dans l'opinion. Donc il y a tout cela qui entre en ligne de compte. Il n'y a pas vraiment une ligne directrice qu'il faille dire que voilà, c'est le bon réseau et le rapport de force. Siège principe. Est-ce qu'il y a un critère pour recruter un entraîneur au Cameroun? Exact. Je crois que c'est défini, mais on le viole tout le temps. C'est défini. Alors depuis 2014, c'est défini. Article 3 du décret. Qui est responsable de la gestion administrative. Non, c'est pas ça. Non. On parle le critère de l'entraîneur, oui. Pas qui choisit. Oui, le critère. Le critère, oui, l'entraîneur. Oui, le critère pour choisir l'entraîneur. Oui, oui. Pas qui choisit. Oui, mais le critère. Mais l'entraîneur doit obéir à quel critère? Oui, mais qui choisit d'abord? Non, ce n'est pas ça, la question. On y arrive. Oui. Non, ce n'est pas ça. Moi, je voudrais. On y arrive. C'est-à-dire qu'avant de rentrer un peu dans le conflit. Le critère, pour choisir l'entraîneur. On s'essaie de dépouiller un peu. Voilà, oui, mais c'est tous les mêmes discours. Il doit connaître le football africain. Connaître, comme s'il y a un football africain. J'ai toujours dit. C'est, oui, ça n'a pas de sens. Hein, connaître le football africain et tout, et tout, et tout. Comme on parle, disait. Vous savez. C'est un discours creux parce que. De plus en plus, nos sélections sont constituées de joueurs évoluants. Je pense que on a mal géré ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une représentation, une figure emblématique comme Rigaud Besson, on devait mieux l'entourer. On devait mieux l'entourer et mieux l'accompagner. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaise publicité qui a été faite autour de son. Son ne peut pas être médiocre. Vous savez, Colbert en parle ici, c'est Franck Beckenbauer de son vivant qui avait décidé que les joueurs qui étaient en sélection nationale et qui avaient plus de 300 matchs en Bundesliga n'avaient plus besoin de faire les cours d'entraîneur. On leur donnait le diplôme d'entraîneur pour entraîner en élite. Il avait dit comment moi j'ai fait les entraînements pendant 15 ans. Tous les jours, je vais faire la même chose avec les meilleurs entraîneurs. Vous voulez que j'aille encore m'asseoir sur les bancs pour apprendre comment on entraîne? Non, je vis l'entraînement. C'est comme un maçon qui apprend à monter les murs pendant 15 ans. Et quand le jour il va vouloir le diplôme, on va lui dire que non, rentre à les cours de maçonnerie, va apprendre comment on tourne le béton,
va apprendre ceci et ceci. Non, il dit non. Celui qui a fait ça pendant 15 ans, qui a été international de son pays, mérite avoir le diplôme d'entraîneur. C'est pour cela qu'il y a toute cette vague de joueurs allemands et même étrangers, les Barakov, les Thomas Doll et tout ça, là, on leur a donné, après une séance de 4 semaines à NF, on leur a attribué le diplôme d'entraîneur de haut niveau. Donc, et ça, sont qui a connu tout ça. Son a fait des Coupes du Monde, je crois que 4 Coupes du Monde, pas combien de Coupes d'Afrique, capitaine des Lions indomptables, il a joué en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Turquie. Vous voyez, il a connu de haut niveau. Donc il ne peut pas vraiment. On veut nous dire qu'est-ce qu'il faisait au haut niveau là-bas? Il nettoyait les godasses? Non. Il était titulaire dans ce club, là où il jouait. Donc il sait ce que c'est que jouer au football. Il sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Dès que son appui autour, vous savez, on ne l'a pas vraiment soutenu. Et c'est ça le problème chez nous. On ne soutient pas nos icônes, on ne soutient pas nos idoles. Et il faut voir ailleurs. Il faut voir ailleurs ce qui s'est passé. Colbert, on peut parler de l'Allemagne. Ils n'ont jamais essayé de détruire ce qu'ils ont. Ils ont toujours donné la chance. Celui qui est parti avant, que le nom m'échappe un peu, celui qui est parti avant que Föller ne prenne l'ancien entraîneur du Bayern. Vous avez l'ancien entraîneur du Bayern qui était à l'équipe nationale. Tu me rappelles le nom de... Tout récemment. Oui, tout récemment, qui était à l'équipe nationale. Hansi Flick. Hansi Flick, oui. Mais attendez, on a tout essayé avec lui. Et le problème, avant d'avoir constaté que ça n'allait pas, mais quoi qu'on a changé beaucoup de choses dans l'équipe d'Allemagne qui joue là maintenant. Je vous dis après que après la démission, après avoir démis Frink de ses fonctions, l'Allemagne a joué contre la France et a battu la France. C'est Rudi Völler qui était au banc de tout. Avec les mêmes joueurs. Donc, quelque part, je pense que on devrait créer un bon environnement ici au Cameroun. Si on veut vraiment avoir des entraîneurs camerounais sur le banc de touche. Parce que tout le temps, penser que nous, les Camerounais, on peut jouer au foot, on est seulement bon pour jouer, on n'est pas bon pour diriger. Je pense que non. On peut avoir des entraîneurs valeureux ici. C'est à nous de leur donner de la valeur. Ce n'est pas aux autres personnes. C'est à nous de leur donner de la valeur. Donc, les critères de recruter un entraîneur, je pense que les critères, il y a beaucoup de Camerounais qui remplissent ces critères-là. Mais est-ce que dans le lobbying d'en haut, est-ce qu'ils ont de la valeur là-bas? Parce que justement, chez nous, qu'est-ce qui fait problème? Chez nous, ce qui fait problème, c'est que chez nous, on dit qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est ça qui fait problème chez nous. Parce qu'on ne va pas te prendre on te dit que ouais, parce qu'il est, il est bon, voilà les qualités. On fait de lui un team press. Non. On ne fera pas de lui un team press parce qu'il n'a pas l'entre-gens, il n'a pas les gens et tout ça. Mais regardez ses qualités seulement. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Non, on ne regarde pas ça. Il faut qu'il ait quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Et donc, tant que c'est ça qui est le critère de recrutement, tu verras toujours qu'il y a certaines personnes. Les personnes nommées ne font pas l'unanimité. Oui. Colbert, qu'est-ce que le problème chez nous dans ce processus de désignation des entraîneurs et leur staff? Non, ce qui fait problème, c'est, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lisibilité. C'est une guerre des réseaux. Chacun propose et, en fin de compte, le réseau qui est le plus puissant, le réseau qui a le vent en poupe, comme je prenais l'exemple de Fink tout à l'heure, vous imaginez que le directeur de Puma a été au courant de la nomination de Fink comme entraîneur, sélectionneur du Cameroun avant Fink lui-même. Puisque dès que j'ai la confirmation que Fink est le nouveau sélectionneur du Cameroun, je l'appelle immédiatement, parce qu'il est à 2 heures de moi, à Fribourg. Je l'appelle immédiatement pour le féliciter, mais lui-même n'est pas au courant. C'est 3 heures de temps après qu'il me rappelle pour me demander là où j'avais eu l'information, puisque lui-même était surpris. Donc, puisque c'est le directeur de Puma qui le parrainait. Donc c'est toujours une guerre de réseau, et en fin de compte,
comme le disait Serge, pour ce qui est des sélectionneurs camerounais, ils n'ont parfois pas le bon réseau. Et il faut aussi le dire, ils ne se respectent pas. Parce que le plus gros, non pas que les sorciers blancs qui viennent au Cameroun soient irréprochables, mais les plus gros comptoirs qu'il y a eu à l'équipe nationale du Cameroun, c'est quand on a eu des sélectionneurs nationaux. Et cela est aussi dû au fait qu'ils ne se respectent pas et on ne les respecte pas aussi. Vous n'avez qu'à voir, même dans les propositions de salaire, la même fédération qui payait Rigobert sont autour de 30 000 euros. La plus petite proposition, c'est 82 millions. Vous voyez, c'est la loi du marché, mais vous voyez déjà le décalage. Et Rigobert sont touchés peut-être 15 fois plus que les Nyonga, les Belinga ou les qui encore les Akono ou les Mangongene, quand ils ont été coach, c'était déjà une grosse révolution. Donc quand vous avez ce genre de rapport, rappelez-vous quand Yo Martial, qui a remporté la Coupe du Monde en 92 avec la Côte d'Ivoire, remplace Drogba vient sur la ligne et lui demande s'il est fou. Il refuse de sortir et Yo Martial se dédie et fait plutôt un autre remplacement. Et quand on vérifie, on se rend compte qu'à cette période-là, il touchait 1,5 million à la tête des éléphants, alors que Drogba avait au moins 1 million d'euros tous les mois. Donc, quand vous ne pouvez pas donner de la force à votre entraîneur, mettre votre entraîneur, encore faudrait-il qu'il se respecte. Donc, la problématique au Cameroun est vraiment très, très difficile. Georges, puis il y avait Junior. Ben, écoutez, Georges d'abord. Oui, Georges d'abord, ok. Moi, je pense que Serge et Colbert. Ont presque tout dit hein, sur qu'est-ce qui fait problème au Cameroun. Je vais ajouter également la tête du client. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est presque au faciès. C'est presque au faciès, en dehors des problèmes de réseautage de et tout ce que nous avons dit. Il n'y a que si votre nom ne plaît pas, si votre tête ne plaît pas, on ne va pas vous nommer entraîneur. Je connais un entraîneur au Cameroun qui se bat pour la nationalisation du banc de touche de cette sélection particulièrement. Pendant que lui mène ce combat, vous avez en interne qui applaudissent des deux mains des décisions nommant des expatriés. Donc il y a également que, comme disait Colbert, eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux. Donc vous avez un corps de métier à l'intérieur duquel les gens semblent divisés. Il y a également ce problème qu'il faut relever en plus de tout ce qui a été déjà dit. Moi, je voulais juste dire que on a comme l'impression, quand on regarde comment ça fonctionne, peut-être on ne l'a pas dit ici, mais je vous assure, quand vous menez l'enquête, vous allez au fond des choses. Les personnes qui décident, parfois, elles ne sont pas nombreuses. Hein. Mm-hmm. C'est 2, 3, 4, 5 personnes qui décident. Et généralement, c'est des personnes qui n'y s'y connaissent pas. Pas du tout. On parle de football là. Oui. Mais qui n'y s'y connaissent, mais alors pas du tout. Et elles arrivent parce qu'elles sont aux affaires. Elles ont cette grâce-là d'être aux affaires, d'avoir le pouvoir. Mais elles arrivent à piloter plusieurs personnes. Vous voyez même des professionnels, des gens qu'on a respectés dans le football, qui font allégeance. Et parfois, ces personnes sont souvent des personnes expertes, c'est des personnes spécialistes des questions du même football. Même pas. C'est ce que je suis en train de dire. Et je veux prendre un autre exemple. Vous avez vu la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons organisée ici. La plupart des responsables de commission, de ci, de ça, en fait, tous ceux qui étaient aux affaires, c'était des gens qui ne connaissaient pratiquement rien. Et ça s'est vu, c'est vrai que beaucoup disent, mais bon, parce que c'est le discours politique, beaucoup disent que c'était la CAN, patati, c'était la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations. En même temps, mais, attention à la généralisation, tous ceux qui étaient aux affaires. Mais il y a eu beaucoup de ratés. Moi, j'ai toujours le match d'ouverture à l'esprit, où il n'y avait presque pas de footballeurs. Les footballeurs, c'est-à-dire ceux qui ont permis à la CAN de revenir. J'ai des gens, et je crois que Serge faisait partie de ces analystes sportifs-là, qui demandaient. On revient jouer la Coupe d'Afrique des Nations, on a joué en 72, on revient
en 2021 ou 2022, où sont les... Il n'y avait aucun joueur de 72. Il n'y avait aucun joueur de 72, par exemple. Et même, certains joueurs ont été boudés. Ils n'ont pas eu de biais pour venir au stade, s'il faut se replonger dans ce contexte-là. Donc, c'est juste pour dire que, parfois, les personnes qui gèrent notre football, qui décident en dernier ressort, et là, peut-être, je commence à rentrer dans le débat de fond, et là, vous pouvez un peu comprendre, on va en parler certainement tout à l'heure, vous pouvez un peu comprendre la rage et la révolte qui anime quelqu'un comme Samuel Eto'o qui arrive aux affaires et qui, limite, ne veut entendre parler personne et décide de foncer, même s'il faut foncer droit dans un mur, il fonce parce que lui, il se dit, et peut-être qu'il a raison en cela, que j'ai été avec ces gens-ci en étant joueur et je sais que ceux qui décident ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent même pas le football. Et oui, donc, du coup, je ne veux même pas les écouter. Oui, si, moi, si je fonce. Si on prend également un tel chemin, il faudrait qu'on soit... C'est peut-être pas eux-mêmes, mais à la limite, irréprochable, ou le moins reprochable. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je suis juste en train de dire que... En fait, je touche un peu le débat, tu vois. Je touche un peu le débat. On va revenir dessus. Il est rigide au lieu d'être rigoureux, mais il est rigide peut-être parce qu'il s'est dit, dans mon pays, il faut casser les côtes avec violence pour que les choses essayent un peu de changer. Je voulais juste prendre ces exemples-là pour revenir sur, en tenant compte de tout ce qui a été dit, mais relever quand même le fait que les personnes qui décident dans le football, généralement, qui décident du football, pardon, pas dans le football, mais du football, de l'avenir du football, du sort du football, parfois c'est des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors, si on... Je voulais Colbert. Ajouter une seule chose, c'est une petite anecdote pour aller dans son sens. Après Lavagne, celui qui devait être sélectionneur du Cameroun, c'était Lothar Matthäus. Serge se rappelle, il était le favori, il avait grillé tous les autres, une notoriété internationale, l'expérience d'avoir entraîné en club, même d'avoir entraîné des équipes nationales. Mais à la dernière minute, il a été recalé par la présidente de la République parce qu'on a dit, il y a quelques mois, il avait battu sur son épouse. Et on a dit, non, vraiment, la première dame ne verrait pas ça. Alors, ça nous ramène à ce que je disais. Mettons dans les pieds. La tête du client. Mettons donc les pieds dans les plats. Et là, on va peut-être interroger la psychologie, la sociologie de l'environnement actuel de notre sport, qui s'est peut-être de ses acteurs également, le ministre, le président de la fédération, tous ceux qui les entourent, pour essayer de comprendre pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Je veux dire que. Narcisse Mouelekombi arrive au ministère des Sports 2019. Et de l'Éducation physique, quelques mois avant que Samuel Eto'o arrive à la fédération. Des gens qui peuvent peut-être se connaître par ailleurs, partout sauf dans le football, mais qui, dès l'entame, ne s'accordent pas forcément sur tous les sujets. On ne leur demande pas de faire l'amour ensemble, ou, je ne veux pas être péjoratif, ou de se faire des bisous sur le front. Mais au moins d'avoir une coordination pour ce qui est de notre équipe. Comment fait-on pour arriver à ce niveau? Qu'est-ce qui fait que les deux là, ou les institutions, s'il faut le dire comme ça, n'arrivent pas à se comprendre pour un processus aussi simple? J'ai failli dire qu'est la désignation d'un entraîneur simple qui s'est peut-être sous d'autres logiques, sous d'autres cieux. Hervé Junior. Alors, peut-être il faut... C'est, votre question va forcément nous amener à convoquer un peu l'histoire, à revenir peu en arrière. Vous l'avez dit, Narcisse Mouelekombi arrive aux affaires. Il est là donc depuis le 4 janvier, je crois, 2019. Il arrive à ce poste régalien-là. Samuel Eto'o, lui, vient en 2021. Et tout à l'heure, je comprends même peut-être pourquoi j'ai fait cette allusion. Samuel arrive avec la rage de tout défoncer, en tout cas. Il arrive avec la rage de tout défoncer. D'ailleurs, son slogan en dit long. Il vient redonner au football toute sa grandeur. Samuel Eto'o est d'une autre époque. Il est sportif dans l'âme. Il est sportif dans son esprit. Il ne va pas, et ça, on peut déjà le sentir même quand il vient, s'accommoder de la politique politicienne que l'on veut souvent faire dans le football et dans le sport. Je pense que
là, c'est l'un des premiers points de rupture lorsque Samuel Eto'o arrive et qu'il trouve donc Narcisse Molaye-Combe, qui lui, qui est un politique au sens pur du terme jusqu'au bout des ongles. Absolument, les deux, à un moment, on sait déjà qu'ils ne vont pas, ils ne vont pas forcément s'accorder parce qu'ils ne parlent pas le même langage. L'un est certainement plus speed, l'autre réfléchit, l'autre voit, cherche à arrondir beaucoup plus les angles. Samuel est plus fonceur. Et donc déjà, il y a cette dualité. Et puis, avant cela, il y a quand même un président de la fédération qui s'entend bien avec Narcisse Molaye-Combe, Seydou Boumou Ndjoya. Et il vous souvient que pendant les élections, certains ont dit, je pense même que les enquêtes qu'on a menées l'ont confirmé, il était vraiment adoubé par une bonne partie du gouvernement, Seydou Boumou Ndjoya, parce que c'est quelqu'un qui ne faisait pas de vagues, il était politiquement correct. Samuel Eto'o, c'est vraiment celui qui a beaucoup de frasques, entre guillemets, et qui finalement remporte l'élection, et qui donc doit être, il doit y avoir une cohabitation, si vous voulez, avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Dès les premiers mois, on voit des frictions. Je pense même très vite, on voit des frictions. Je pense qu'il n'y a même pas eu de lune de miel entre eux. Rapidement, on a vu les frictions. Rapidement, on a vu le président de la Fédération Camerounaise de football, peut-être avec ses raisons, hein, vouloir autonomiser la FECAFOOT, peut-être la rendre même un peu indépendante. Déjà avec le cas Conseil Sao, le ministre veut prolonger Conseil Sao. Le ministre prolonge même Conseil Sao, puisque la parole suit les actes. Il dit dans une émission de grande écoute que Conseil Sao sera prolongé. Et Samuel Eto'o le reprend. C'est public. Donc à partir de là, déjà les deux ne vont pas s'accorder. Durant la Coupe d'Afrique des Nations, les apparitions du ministre dans les vestiaires sont, j'ai envie de dire, recalculées. Sa trajectoire autour des Lions indomptables est recalculée et redéfinie. Forcément, les politiques n'apprécient pas. Les politiques, eux, qui aiment rentrer dans les vestiaires parce qu'il y a des récupérations à faire, qui aiment faire ceci, forcément, ils n'apprécient pas la volonté donc de Samuel Eto'o de rendre indépendant ou, si vous voulez, d'autonomiser la Fédération Camerounaise de football. Et donc, les deux avancent ainsi. Les deux avancent ainsi sans jamais véritablement s'apprécier, sans jamais véritablement s'aimer. Le président de la Fédération Camerounaise de football, franc comme il est, le dit dans une interview d'ailleurs à France 24, que ce n'est pas forcément son ami, le ministre des Sports. Ils ne s'entendent pas forcément, il a, lui, l'honnêteté de le reconnaître, mais les faits que nous sommes en train de vivre ces derniers temps le confirment, que les deux limite ne peuvent pas marcher ensemble. Je suis sur un plateau avec mon aîné Colbert, que j'aime beaucoup et que je suis avec beaucoup d'attention. Il a dit quelque chose qui continue à résonner en moi et que beaucoup d'analystes pensent. Ils se disent que l'un des deux doit finalement sauter. Si l'un ou l'autre ne met pas suffisamment d'eau dans son vin, il va falloir trancher. Parce qu'ils ne pourront jamais avancer ensemble. C'est la première fois qu'un ministre des Sports et un président de la Fédération, Serge Pincy, ne s'accordent. Je lui demandais qu'est-ce qui fait véritablement problème dans le fond avec les acteurs actuels dans la gestion de cette équipe. Mais c'est la définition du domaine du pouvoir de chacun. Tout à l'heure, Evénon a dit que Seydou Boumoya s'entendait bien avec le ministre Molaye-Combe. Je dis non, il ne s'entendait pas bien avec le ministre Molaye-Combe. C'est parce qu'à l'époque, il y a eu une succession d'annulations de son élection. Il n'était pas tellement solide à la FECAFOOT et que l'État du Cameroun n'a pas agi en demandant par exemple un comité de normalisation pour qu'il parte de la FECAFOOT. Donc il avait ce soutien de l'État du Cameroun. Et en retour, il devait laisser ce pouvoir. Parce qu'en principe, il y a une image vraiment symbolique. Quand les Lions U17 gagnent la Coupe d'Afrique, je crois que c'est en 2019, et il y a la cérémonie de remise de trophée, il y a le ministre qui avance parce qu'il descend de la tribune, il avance avec Seydou Boumou Ndjoya, et il y a un officier de la CAF qui sort et qui retient le ministre, qui dit là, franchement, c'est le domaine du président. Oui, c'est le domaine du président de la fédération. Et je vois que le politique, il n'aime pas ça. Bien sûr. Il aime être devant les choses. Bien sûr. Et Seydou Boumou Ndjoya avait donné cette place-là
au ministre, parce que lui-même n'était pas en tant que président de la Fédération. Juste, c'est pour ça que je disais que, bon, peut-être, il s'entendait mieux, en fait, c'était plus non, paisible, parce que l'un avait le profil, était dans le costume du politique. C'est d'où oui. C'est un enfant né à Yaoundé, c'est un enfant qui a grandi avec, avec le ministre Sadi. Oui. Il connaît les arcanes du pouvoir, donc c'était plus cool, non, si vous voulez, pas, avec lui. Ce n'était pas une sphère d'arcane du pouvoir. Je vous dis qu'il n'était pas tellement solide. À la FECAFOS. Ça, c'est votre lecture, moi, j'ai la non, la lecture, c'est quoi? C'est que ces élections ont été annulées. Oui, c'est votre lecture, moi, j'ai la même. Ah, non, oui, mais les gens... Tout ça font qu'il avait un profil qui passait. C'est non. Ce que je suis en train de dire. Junior, on va écouter Serge d'abord, annulées. Après, vous pourrez peut-être le reprendre donc, quand il aura terminé. Si on rentre même dans le juridisme, on peut vous dire que c'est nous, rien n'a jamais été présent à la FECAFOS. Parce qu'une élection annulée peut dire que tu n'as jamais été... Mais à l'époque, là, le gouvernement du Cameroun l'a conservé, là. Parce que sinon, on s'adresse à la FIFA pour mettre un comité de nomination qui va préparer la prochaine élection. Il a été conservé à la tête de la fédération. Et pour cela, le prix à payer, c'était de laisser le ministre faire tout ce qu'il a au niveau de l'équipe nationale. Vous avez vu que durant toute cette période-là, c'est le ministre qui gérait l'équipe nationale. C'est d'où certainement, et franchement, était là, mais c'est l'équipe nationale était gérée à partir du MINCEP. Eto arrive, il gagne son élection, il est président de la fédération, il a le décret de 2014 en main. Mm-hmm. Il s'est dit, mais ça, c'est moi qui dois gérer. Gestion administrative, sportive et technique. Et gestion financière. Il y a une co-gestion financière de l'équipe nationale. Donc, il s'est dit, c'est à moi qui revient le pouvoir de gérer. Il décide, prend les décisions partout. Même le choix de l'entraîneur, directement, il pose ça sur la table qu'il ne peut pas continuer avec Conseil et ça. Et ça certainement... Ça choque le ministre. Oui, ça choque. Mais ça ne devait pas choquer un ministre. Parce que la FECAFOS a eu une délégation de pouvoir. C'est-à-dire que pour gérer le foot... pour organiser le foot et tout. Donc, vous allez peut-être contrôler, être la tutelle, vous contrôler. Mais laissez la FECAFOS agir. Et tant que... Et vous allez voir, par beaucoup de domaines, c'est ça. Et tout à l'heure, Evie m'en parle des mains inexpertes qui sont là pour décider. Franchement, on peut ne pas aimer Samuel Eto'o, mais vous n'allez pas lui enlever et le fait qu'il a joué au foot et il connaît le foot. Et qu'est-ce que c'est que le foot? Il ne vit que de ça. Mmh. Voilà. Bon, on peut tergiverser sur d'autres domaines, du management et tout ça, mais ce n'est pas le manager de la FECAFOS. Il y a des managers à la FECAFOS, il y a des options financiers, des options administratives et tout, et tout, et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on devrait se ressaisir et chacun devrait connaître son domaine de pouvoir. Depuis tard, je crois que la problématique est tellement complexe qu'on y passerait 10 émissions. Sans, je vais essayer de survoler. Déjà sur le débat sur CEDOU, je crois que chacun des deux a raison. Les deux se complètent. D'abord à l'origine, de par le tempérament, comme a dit Hervé Junior, CEDOU n'est pas un Samuel Eto'o. C'est un enfant du système. Et qui a la crainte du pouvoir. Ajoutez à cela maintenant le fait qu'il est lâché par la FIFA parce que son élection est annulée. Mmh. Et en ce moment, il devient encore plus fragile parce que l'État qui le tenait déjà, là maintenant, il est obligé de s'agenouiller devant l'État. Mais pour mieux comprendre cette problématique-là, il faut remonter même déjà au décret de 2014. Le décret de 2014 découle de quoi? D'abord du président IA qui avait toujours lutté pour que la fédération devienne autonome. Il n'a pas pu l'obtenir, mais après les Coupes du Monde foireuses de 2010 et de 2014, dans les différents rapports qui sont faits, il apparaît clairement que personne d'entre le ministère et la fédération
ne veut prendre la responsabilité de l'échec. Les responsabilités sont partagées. Et le chef de l'État, pour arbitrer, essaye donc de mettre la FECAFOOT face à ses responsabilités. Et au sorti de ce décret, c'est la FECAFOOT in fine qui est renforcée. Sauf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Joseph Owona, mes co-débattants se rappellent certainement, a été un des ministres des sports qui a eu le plus de problèmes avec la FIFA. On était au cœur de l'immixtion de l'exécutif dans l'arène de la FECAFOOT. Et la FIFA a menacé plusieurs fois de suspendre le Cameroun. Il a dû se déplacer pour aller rencontrer le président Blatter et lui expliquer pourquoi l'État met les mains à la FECAFOOT. Et il a même un peu remporté sa bataille parce que vous vous rappelez, quand après le président IA, John Begeninde doit être président, c'est plutôt un comité de normalisation qui est mis en place. Et c'est le gouvernement qui choisit tous les membres du comité de normalisation. Et le gouvernement arrache quelque chose d'assez surréaliste. Normalement, dans l'histoire de la FIFA, les comités de normalisation, c'était 7 à 8 personnes. Mais le gouvernement obtient plus de 10 personnes. Donc, à partir de ce moment-là, la FIFA même accepte qu'au Cameroun, il y a une cohabitation. Donc, l'État est mis en contribution et même le comité de normalisation de Maître Dieudonné Appui, c'est toujours l'État du Cameroun qui a la manette. Donc, revenons donc au professeur Owona. Quand il est président du comité de normalisation à la FECAFOOT et que le ministre Adoum Garoua est ministre des Sports, il estime que le décret de 2014 n'est pas, sur certains points, très clair. Et en tant qu'ancien ministre des Sports, dans la Convention, c'est plutôt le ministère des Sports qui récupère un peu une partie du pouvoir qui lui a été arraché par le décret. Et maintenant, vous en venez aux hommes. Selon que vous ayez X ou Y au ministère des Sports ou à la Fédération Camerounaise de football, le rapport de force ne peut pas être le même. Et l'interprétation que quelqu'un comme Samuel Eto'o fait de son poste de président, l'interprétation qu'il fait de son rapport à l'équipe nationale du Cameroun ne peut pas être le même qu'un Iya Mohamed ou qu'un Seydou Mbombo Ndjoya. Et c'est naturel. Et ça, qu'il ait raison ou pas, on ne peut pas le lui reprocher parce qu'il a un passé de footballeur, il a un vécu de Lyon indomptable. Donc l'interprétation qu'il en fait n'est pas la même. Et quand il commence son magistère, il fait bouger les lignes. Vous voyez le Team Press, il prend quelqu'un du privé, quelque chose qui était presque institutionnalisé à la CATV. Il fait bouger plusieurs lignes et c'est difficile. Et je crois que les problèmes commencent, comme l'a dit Hervé Junior, avec Conseil. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avant que le ministre ne fasse sa sortie à Actualité Hebdo, la FECAFOOT, par la voix de son président, avait déjà signalé au ministre qu'il ne voulait plus de Conseil SAO. Donc le ministre, en allant faire sa sortie à Actualité Hebdo, sait que la FECAFOOT lui a dit qu'elle ne voulait plus de Conseil SAO. Et quand il fait la sortie, le président de la FECAFOOT interprète ça comme un affront et les choses s'envenimentent les deux. On ne peut pas aussi dire que la manière de choisir Rigobert Song s'était faite en respectant le ministre. On sent bien que c'était le rapport de force et que la FECAFOOT était allée prendre l'autorisation ailleurs et que le ministre avait été instruit, presque ridiculisé, de signer. Après, il y a un autre épisode qui envenime encore plus les relations entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, c'est l'affaire Onana. C'est l'affaire Onana. André Onana, le gardien de but. Je suis un de ceux qui s'était plaint, et même directement devant le président de la FECAFOOT, que la manière par laquelle la FECAFOOT avait géré le dossier André Onana avec la presse, par exemple, n'était pas normale. Je lui ai pris l'exemple de la Coupe du Monde en 2006,
quand Zidane donne le coup de tête à Materazzi, nous sommes en tribune avec notamment Jean-Pierre So et Junior Bignam, que je salue. Nous sommes en tribune et après 5 minutes, les journalistes français reçoivent déjà les éléments de langage sur leur téléphone. Et il leur est dit, Materazzi a insulté la maman de Zidane. Et c'est ce qu'on répète en long. C'est ça. On se rend bien compte après, Zidane le confirme, Materazzi aussi le confirme qu'il ne s'agissait pas de la maman de Zidane. Mais dans les minutes qui suivaient, on avait donné des éléments de langage aux journalistes. Mais quand nous sommes retrouvés à Doha, Onana, un des piliers de l'équipe nationale du Cameroun, ne participe pas au match. Nous sommes dans le bus, nous allons au stade. C'est un journaliste de la Gazzetta dello Sport qui nous annonce qu'Onana ne joue pas. Je fais même semblant d'être déjà au courant. Il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et on essaie de passer des coups de fil, on appelle l'encadrement et personne ne réagit. Et en ce moment, vous allez fouiller à la poubelle. Ce que vous trouvez, vous servez à vos convives. Mais après, quand on se rapproche de la FECAFOOT, il apparaît à la FECAFOOT que l'information a fuité par le ministère des Sports. La FECAFOOT, pour ne pas citer les noms, estime qu'elle ne pouvait pas laisser son ministère de tutelle sans l'informer quand on en était, avait eu un problème avec l'entraîneur. Et dès qu'elle a donné l'information au ministère, l'information directement a fait le tour du Cameroun pour dire que la FECAFOOT voulait garder cela en interne. C'est pourquoi il y a l'imbroglio en conférence de presse. Quand je demande d'abord à Aboubakar pourquoi André n'a pas joué, dit il protège son joueur, ce qui est normal, il dit qu'André était blessé. Quand Rigaud vient après, on lui pose la question, il dit qu'il a eu un problème avec André. C'est pour ça qu'André n'était pas là, parce que ce n'était pas... Parce que il n'y a pas une coordination, il n'y avait pas une gestion coordination. De cette Donc, crise. Après ça, on se rend bien compte qu'il y a récupération du côté du ministère des Sports et d'autres autorités à la présidence de la République du dossier André Onana contre le président de la FECAFOOT et personne ne cherche véritablement à régler le problème à la racine. Parce que vous avez les trois intervenants qui étaient encore là, le coach, André Onana et le président de la FECAFOOT, dont André Onana est le fils. Mais on n'a pas cherché à résoudre le problème à la racine. On a laissé pourrir et on a plutôt récupéré André Onana en belligérant pour l'opposer au président de la FECAFOOT. Je crois que c'est ce dossier-là qui a fini complètement de pourrir l'atmosphère entre les deux. On prenait une image l'autre jour, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on avait à la tribune d'honneur environ 15 places et 3 représentants du Cameroun, le ministre des Sports, Seydou Mbondjo et Samuel Eto'o. Et le président de la CAF et le président de la FIFA étaient obligés de s'entremettre entre eux pour que les deux, ils étaient complètement aux antipodes. Et j'ai pris le vol il y a quelques semaines avec les deux. Quand vous regardez l'expression corporelle, les regards, on ne vous dirait pas que c'est le ministre et le président de la FECAFOOT. Donc il y a tout cela qui a pourri complètement l'atmosphère et tout cela se résume en rapport de force. Quand on désignait Rigaud, le rapport de force était favorable à la FECAFOOT. Aujourd'hui, quand on doit désigner un nouveau staff, avec les résultats qu'on a obtenus à la Coupe d'Afrique des Nations, avec le discours du président de la République que chacun interprète comme à sa faveur et à sa manière, le rapport de force semble favorable au ministre des Sports et il en jouit. Peut-être abusivement, mais il en joue quand même. Alors, Georges, au-delà des textes, au-delà qui c'est peut-être même des hommes, est-ce qu'il n'y a pas un problème réel de management de part et d'autre? Des textes peuvent être ce qu'ils sont, et quelqu'un le disait tout à l'heure, les hommes se parlent et tout se fait sans qu'on ne casse les plats. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement problème de management dans cette histoire? Ça c'est le premier volet. L'autre volet, les enjeux aussi. Je sais que c'est dans votre milieu. Beaucoup parlent de rétrocommission, beaucoup parlent de dessous de table, beaucoup parlent de... Est-ce que tous ces éléments-là ne sont pas pour favoriser le maintien d'un climat comme celui-là? Je vais commencer par la première.
non, le deuxième volet, d'accord, si tu permets, les rétrocommissions, pour ne pas dire les dessous de table. On ne saurait occulter ce volet-là parce que, même si nous n'avons pas de preuves, moi particulièrement, je n'ai pas de preuves de ce que ça se fait, mais on en parle tellement que je veux avoir la faiblesse de penser que ceux qui le disent savent de quoi ils parlent. Le choix d'un sélectionneur ou d'un entraîneur dans une équipe, tout au moins dans une sélection, comme l'a dit si bien Colbert, parfois obéit à un certain réseautage. C'est une question de réseau. Et quand vous allez voir quelles sont les personnes qui sont dans ce réseau-là, vraiment vous comprendrez qu'ils puissent avoir ce type de rétro-commission. Il y a des salaires qu'on annonce, mais qu'on sait pertinemment que ceux qui doivent les percevoir ne les perçoivent pas en entier. Il y a une partie qui va ici, une partie qui va là-bas. Je ne cite le nom de personne. J'essaie simplement d'expliquer pourquoi je pense que ça peut exister. Maintenant, pour ce qui est du management, oui, mais c'est dû à quoi? Une fois de plus, je veux rebondir sur ce qu'a dit Colbert, le rapport de force. Et quand vous avez en face deux personnes qui, il ne faut pas avoir peur de mots, se détestent, parce qu'à l'allure où la situation prévaut entre le MINSEP et le président de la Fédération Cameroun de football, on n'est pas loin de ce que je viens de dire. Quand l'un a la possibilité d'user de ce que la loi peut lui permettre de poser comme acte, vous avez le sentiment qu'il en abuse dans le souci de vouloir humilier l'autre. Or, je pense que ces deux entités devraient travailler en bonne intelligence dans l'intérêt du football camerounais ou bien du sport camerounais, et, puisque nous parlons de football ici, du football camerounais. L'un a été humilié une fois, publiquement. C'est un politique, et les politiques n'aiment pas perdre la face, surtout quand ils ont le sentiment que cette humiliation vient de celui qui est en principe son subalterne. Et à l'instant où la possibilité pour lui de prendre sa revanche sur celui qui l'a humilié une première fois s'est présenté, il a également sauté sur l'occasion. On ne saurait mettre de côté les textes eux-mêmes qui, de mon humble point de vue, encouragent ce climat de tension. Vous avez d'un côté le décret numéro 384/2014 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections qui, pour ce qui est de la gestion administrative, sportive et technique, donne les pleins pouvoirs à la fédération. Et de l'autre, la convention MINSEP et CAFOOT signée en 2015 entre le professeur Joseph Ewona et le ministre des Sports à l'époque à Dungarwa, et qui retrocède au ministère une partie des pouvoirs de la Fédération Camerounaise de football, notamment pour ce qui est du recrutement des encadreurs de nos sélections nationales et particulièrement la sélection Fagnon A. Même si cette convention signifie dans un premier temps que c'est le président de la Fédération Camerounaise de football qui recrute et signe, paraphe ce contrat avec avis obligatoire du ministre, mais il y a la seconde disposition de ce décret-là qui dit que le ministre ou l'État peut mettre à disposition les membres de l'encadrement technique. Vous convenez avec moi que, à la faveur de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et du discours du chef de l'État, une fois de plus que les uns et les autres interprètent à leur guise, le ministre a sauté là sur l'occasion pour régler ses comptes au président de la Fédération Camerounaise de football. Même si nous pourrons revenir plus tard dans l'émission pour questionner cette convention et sa conformité au décret sur ces bouquets. Donc, le management, peut-être, à mon humble avis, c'est à ce niveau-là. Comment est-ce que les uns et les autres usent du pouvoir qu'ils ont pour mener un certain nombre d'actions ou prendre certaines décisions?
Cherche principe, management ou jeu d'intérêt? Oui, les deux, jeu d'intérêt, management. Management, je me réfère à la correspondance, par exemple, du ministre en réponse à Samuel Eto'o, là, oui, il parle des salaires onéreux de la proposition des entraîneurs proposés par Samuel Eto'o. J'estime que, oui, c'est l'État qui paye. Et si on estime que, s'il pense que, s'il juge que les salaires sont trop élevés, les prétentions salariales sont trop élevées, il propose une fourchette. Président de la FECAFOOT, il dit, OK, voilà ce que l'État est disponible, est disposé à payer pour un entraîneur sélectionneur. Vous trouverez... Ça me permet d'ouvrir une brèche, je vous laisse poursuivre. Est-ce que, puisque c'est le ministre qui nomme à la fin de la journée, selon la convention... Non, selon la convention, pas le ministre qui nomme. Le ministre nomme sur proposition... C'est la FECAFOOT qui nomme avec avis obligatoire du ministre. La FECAFOOT qui choisit. Oh, d'accord. Enfin, il y a deux modes de désignation selon la convention. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Le premier mode, c'est que c'est le président de la fédération qui recrute, paraphe le contrat avec avis obligatoire du ministre. Le ministre peut recruter et mettre à disposition. Voilà. Ça, c'est le deuxième mode. Oui. D'accord. Mais quand on fait la mise à disposition, la FECAFOOT doit demander, parce que c'est un plan administratif, la FECAFOOT doit demander qu'elle n'a pas de solution, qu'on peut lui donner un entraîneur. Donc, la mise à disposition, il faudrait que celui qu'on met à disposition soit un fonctionnaire ou un agent contractuel de l'État, dans le cas d'espèce. Donc, je vous laisse poursuivre dans la question précédente. Oui, oui. Donc je disais que dans le cas de première fois la correspondance du ministre, qui disait que les prétentions salariales des entraîneurs proposés par Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, étaient tellement élevées et qu'il n'était pas question que l'État du Cameroun dépense autant d'argent pour les entraîneurs. Mais si le ministre fait ce constat, il peut revenir, par sa management, il peut revenir toujours vers Samuel Eto'o, qui a son décret, qui a la force du décret, pour lui dire, voilà, parce qu'on paye, voilà ce que l'État est disposé à payer. Donc, trouver des entraîneurs qui rentrent dans cette fourchette de salaire ou de prestations salariales. Et là, la FECAFOOT propose alors peut-être une nouvelle liste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a proposé la liste, on a estimé que c'était trop cher, on a balancé la liste de côté, et eux, ils ont sorti leur liste avec Marc Brice. Je crois que là, dedans, il y a erreur du management. Parce que dans la concertation, parce que c'est, si on s'appuie sur l'élément qui régit tout le décret, il y a une violation de procédure, comment choisir. Parce que la gestion administrative, sportive et technique est réservée à la FECAFOOT. Je prends encore un autre point. Marc Brice est déjà là. Mais le président de la FECAFOOT a informé deux heures avant la cérémonie. Je crois qu'il y a un problème d'élégance là-dedans. Donc, tout ça là montre à suffisance que on a envie de montrer qu'on est puissant, on a envie de... Oui, mais est-ce que Marc Brice aussi n'est pas arrivé dans la précipitation? Oui, vous savez, la précipitation... Non, je pense que exactement ce problème de management, de concertation. Quand la FECAFOOT sort un communiqué du comité d'urgence que dans 72 heures, le président de la FECAFOOT doit donner les noms. Je crois que ça ne met pas en bras tout le monde. Les gens ont peur que, bon, ok, ça va, on fait venir Marc Brice rapidement pour signer. Mais est-ce que nous savons, ce que vous savez, tout le monde sait que pour avoir un contrat, le contrat normalement, c'est entre la fédération et l'entraîneur. Le garant du salaire qui est l'État signe, co-signe le contrat. Mais normalement, le salaire, le contrat, c'est entre la fédération et l'entraîneur qui est recruté. L'État signe là comme garant du salaire. Donc, le président de la FECAFOOT n'étant pas là, peut-être qu'il a signé le contrat avant, avant que Marc et le ministre, peut-être qu'on lui a envoyé le contrat avant, il a paraffé tous les contrats et il ne restait plus que la signature du ministre et des différentes personnes recrutées. Colbert, sur... la question de management et le jeu d'intérêt. Je ne sais pas par où commencer. Pour la première fois dans l'émission, je ne serais pas d'accord avec l'approche
de Georges Rim et de mon frère Serge, parce qu'ils essayent de résoudre une situation anormale avec des solutions normales. Une situation d'exception avec des solutions normales. Le problème qui se pose n'est pas un problème de texte. Même quand vous prenez les juristes, vous ne pouvez pas penser, Jupiter, que vous avez deux juristes qui ont chacun 25 ans d'expérience au barreau, mais une problématique aussi simple, ils ne parviennent pas à s'entendre. C'est simplement que les intérêts ne sont pas les mêmes et chacun essaye de faire l'interprétation selon qu'ils le veulent. Donc, si on tombe dans le décret et la convention, on va se perdre. Et je crois que c'est l'erreur qu'a, si je peux appeler ça comme ça, c'est aussi l'erreur qu'a commise la Fédération camerounaise de football. Parce qu'au lieu de tomber dans les débats d'interprétation, sur lesquels même les plus grands juristes ne s'entendent pas, parce que quand vous interrogez certains juristes, par exemple sur la notion de gestion administrative, sportive et technique de l'équipe nationale qui donne pouvoir de nomination de l'entraîneur, ils vous retorquent que le ministre est bien le gérant de son ministère, mais quelquefois, des directeurs jusqu'au sous-directeur, ils sont nommés soit par décret du président, soit celui du premier ministre. Pourtant, c'est lui qui gère. Si vous prenez les entreprises, même publiques, le gérant de l'entreprise, c'est bien le directeur général. Pourtant, la plupart des cadres sont nommés par le conseil d'administration. Mais il n'en demeure pas moins que celui qui soit le gérant. Donc, si on entre dans les interprétations, ça va nous perdre. Pas qu'il y ait de la mauvaise foi, mais chacun essaiera de tirer la couverture de son côté. Je crois que la FECAFOOT, elle a essayé un peu de rectifier depuis ce matin. La FECAFOOT aurait gagné à se concentrer sur ce qui est clair. Et en se concentrant sur ce qui est clair, elle aurait, à raison, même justifié sa non-présence à la signature hier, et même rejeter l'intégralité de la première lettre de nomination du ministre. Parce que qu'est-ce qui est clair et qui met tout le monde d'accord, c'est la nomination du coordonnateur général des sélections nationales. Que ce soit la convention, que ce soit le décret, cette nomination incombe au président de la Fédération camerounaise de football. Et le décret va même plus loin, en disant même que l'intitulé de ce qu'il a à faire est déterminé par le président de la Fédération camerounaise de football. Donc, en s'appuyant sur cela, le président de la Fédération camerounaise de football, à juste titre et à raison, aurait dit qu'il n'est pas d'accord avec cette nomination du ministre, puisque le communiqué que le ministre a pondu ce jour regroupait tout cela. Et au moins sur ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui conteste cela. Mais le président, même dans la lettre qu'il a adressée au ministre, est allé plutôt sur le point que Georges Rim et Serge ont développé, celui qui donne la gestion administrative sportive et technique de l'équipe nationale, la FECAFOOT. Pourtant, c'est le point qui déchire les juristes, si je puis m'exprimer ainsi, ou alors le point de la convention qui dit l'entraîneur est nommé soit par un acte du président de la FECAFOOT, ou alors une mise en disposition par l'État, et encore là-bas, les connaisseurs du droit se déchirent, ou d'aucuns disent que les contractuels n'obéissent pas aux mêmes critères que les fonctionnaires dans le sens strict du terme, et que des contractuels peuvent être recrutés et mis à la disposition de la FECAFOOT. Donc, on entre sur des sujets où on se perd, alors qu'il y a des points clairs sur lesquels, même devant le tribunal administratif, ça aurait été un béaba pour le président de la FECAFOOT
de s'imposer là-bas parce que le ministre, peu importe le bout par lequel on le prend, n'a pas nommé le coordonnateur, au moins ça, le coordonnateur des équipes nationales du Cameroun et son adjoint. Il n'a pas le droit de le faire. Et sur ce point, le ministre a fauté. Au moins sur ça, il n'y a pas de débat. Hervé Junior. Député, je voulais... Une seconde. Une seconde. Parce que nous avons été interpellés. Vous parler, vous êtes interpellé. Oui. Vous qui? Moi, Georges Rime. Ah, d'accord, une seconde. il faut manager également le temps de prise de parole. Je voulais aller pratiquement dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, on en est à faire un débat juridique, alors que le fond est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un problème entre les deux institutions, du moins entre les deux hommes qui dirigent, qui habitent les institutions. C'est là le point de départ de tout. Vous prenez deux personnalités avec d'autres profils que vous mettez au ministère des Sports et à la Fédération Camerounaise de Football, ce n'est plus la même histoire. Voilà pourquoi certains, comme je disais tout à l'heure, sont allés plus loin et ont pensé qu'il faut que un des deux finisse par sauter. Mais je voulais revenir quand même sur l'épisode du discours du chef de l'État. Du 10 février. Le chef de l'État fait un discours dans un contexte bien précis. Les Lions viennent de complètement rater la Coupe d'Afrique des Nations, pas en termes de résultats, mais en termes de ce qu'ils ont présenté à la face du monde. Et donc le président fait une sortie et il dit, on peut interpréter les mots, parce que bon, finalement on aime interpréter les mots dans notre pays, alors que les mots sont simples. Je me souviens qu'il y a même une fois ici, on a interprété le mot Égypte, comme si c'était un mot qui venait je ne sais d'où. Il a carrément demandé à l'État du Cameroun, au gouvernement, de reprendre la main sur le dossier des Lions notables du Cameroun. Maintenant, forcément, le ministère des Sports, qui s'est senti frustré depuis un moment et qui ravalait un peu sa frustration, a saisi la balle et aujourd'hui s'en donne un peu à cœur joie. Je voulais revenir sur ces éléments-là pour dire qu'il y a quand même le cas Paul Biya qui signe un décret en 2014 et qui revient dire quelque chose qui n'est plus tout à fait en phase avec son décret. Mais personne ne parle de ça. Quoi ça? C'est-à-dire que le fait que le président de la République a signé un décret en 2014... Et que le 10 février, quand il vient parler du ministère des Sports, qui doit, entre guillemets, reprendre la main des Lions Indomptables, déjà, il y a un problème. Il y a déjà lui-même, à ce niveau-là, un problème. Ceux qui rédigent son discours doivent lui dire qu'il y a un problème. Parce que ça fait comme s'il dit une chose et son contraire à la fois. Du moins, ça va être interprété de la sorte par la suite. Je te relance. Le discours du chef de l'État ne veut absolument pas dire non. Reprise en main de la situation. Non, je vais dans le même sens que Hervé. Moi, je ne vais pas dans ce sens. Quand le président le dit, ceux qui gouvernent avec le président doivent amener le président a sorti un décret qui va peut-être modifier celui-là. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que le fait de le dire dans un discours, je le dis bien, ça, quelle que soit l'interprétation qu'on va faire, moi, je n'essaye pas de vouloir lire les mots. Les mots sont tels qu'ils sont. Le président fait un discours, malheureusement, je n'ai pas le discours sous les yeux, mais tout le monde l'a en mémoire parce qu'il est... Il révolutionne un peu tout le monde. Il est en porte-à-faux complètement avec le décret de 2014. C'est-à-dire que le président ne peut plus venir parler de l'équipe nationale et mettre le ministère dessus, sans parler de la Fédération camerounaise de football. Je voulais parler de ça. Je voulais également dire quelque chose, comme pour revenir un peu sur ce qu'on a dit, l'arrivée de Samuel Eto'o, tout ce qu'il a mis en place. Quand Samuel Eto'o arrive, vraiment tout le monde... peut le dire, même je crois ceux qui sont à la Fédération Camerounaise de Football, il a carte blanche. Je pense que rarement on a donné autant de pouvoir à un président de fédération. Tout à l'heure on a parlé de comment est-ce qu'il a littéralement, en guillemets, mais disons-le, humilié le ministre des Sports en le reprenant et en faisant valider la liste que lui il voulait faire valider. Dans le terme valider. Profond, humilié. Oui, il a humilié. Reprendre un ministre des Sports, c'est l'humilier. Comment ça? C'est peut-être un autre débat, mais en tout cas, une minute, oui. Pour aller dans ton sens. Humilier comment? La procédure, c'est le ministère des Sports, c'est la tutelle. Tu as le staff, tu donnes au ministère des Sports, le ministère des Sports fait suivre à la présidence, le président lui donne le OK, il entre en contact avec toi et signe.
Mais le président de la FECAFOOT a contourné le ministre. Il est allé prendre l'autorisation et la présidente a dit au ministre de signer. C'est l'humiliation. D'accord, vous avez terminé. Je voulais juste. Non, je n'ai pas encore terminé. Je voulais. Sauf que je voulais... Quand même, tu as dit tout à l'heure que le ministre a d'abord été informé par la FECAFOOT de sa volonté de ne pas faire avec Antonio Bossessa. Oui, là. Est-ce que le ministre a tenu compte de cette remarque de la Fédération avant d'aller faire cette j'expliquais sortie j'expliquais l'humiliation. Laissez-moi terminer. Chacun est maître de ses mots. Allez-y. Moi, je pense que, et je pense que tout le monde le pense, sauf ceux qui ne veulent pas le penser, qui jouent avec la situation. Il a été humilié. On parle bien d'humiliation. Je crois que Rimema a sorti le mot tout à l'heure. L'un et l'autre se sont donné des coups, se donnent des coups. Et l'un des premiers coups saillants qui est donné, c'est celui de Samuel Eto'o. Et donc, le ministre se sent affaibli pendant un bon moment. Et Samuel Eto'o a vraiment carte blanche. Je reviens dessus. On le laisse travailler. Mais qu'est-ce qui, en guillemets, va mettre du sable dans le travail de Samuel Eto'o? Ce sont les résultats, tout simplement. La fédération, du moins, les équipes nationales ne se portent pas bien. Les résultats ne sont pas bons. Et la goutte d'eau qui déborde, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations où on voit vraiment une équipe complètement déchiqueté et déchiré. Je voulais juste te dire cela, et peut-être on reviendra peut-être sur un autre point qui me semble être important, les joueurs, alors, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Avant ta réaction, votre réaction, je voudrais lire cette contribution. L'un est né dans les affaires de management, de la République d'ailleurs, qui a fait une expertise à un très haut niveau dans la gestion des entreprises. Il dit ceci, je suis en train de suivre, bon, évidemment l'émission. En fait, le problème MINCEF FECAFOOT ramène au grand jour les conflits d'intérêts et autorités. Sous prétexte des vides juridiques entre les différentes tutelles et sociétés d'État et ou autres associations comme la FECAFOOT, la FECAVOLI. Dans le cas de Cameco, le ministre se retrouve à louer en loueur d'avions. Malheureusement, c'est la gangrène qui plombe la croissance économique dans notre pays. Il y avait toujours des groupes d'experts, experts entre guillemets, qui se réunissent à Yaoundé pour prendre des décisions sous prétexte qu'ils sont mandatés par les différentes tutelles, alors qu'en réalité, leur motivation première est essentiellement pécuniaire et se limiterait à la collecte des jetons de présence. Le cas de Samuel est exactement le même qui plombe la Sonara, chantier naval, Cameco, où les tutelles deviennent juges et parties. Il profite des très hautes instructions pour s'imposer dans les décisions de gestion. Donc voilà un peu ça, la contribution de ce téléspectateur assez assidu et qui a quand même des responsabilités assez élevées dans la gestion des affaires au Cameroun. Quelque part, il nous rejoint, et peut-être moi, quand il parle de rapport de force, de la manière dont les uns et les autres font usage du pouvoir qui est le leur, selon qu'on s'appuie sur l'un sur le décret et l'autre sur la convention. J'ai particulièrement été interpellé par le grand frère Colbert sur justement la question des textes. Je ne pense pas, dans ma prise de parole, avoir ouvert le débat sur les textes. J'ai évoqué pourquoi, ou alors j'ai mentionné les textes pour dire à quel niveau les uns et les autres s'en prévalent pour poser X ou Y acte. Mais maintenant, pour parler des textes, dans un de ces communiqués, je crois le deuxième, après que la Fédération Camerounaise de football ait pris connaissance de la nomination ou la désignation des membres de l'encadrement technique des sélections nationales, il y a un premier courrier où la fédération a exprimé son étonnement de la prendre comme le commun des Camerounais, et un autre où il signifiait sa position par rapport à cet acte et rappelait justement les dispositions de l'article 4 du décret de 2014 lui conférant les pleins pouvoirs pour ce qui est de la nomination, tout au moins du coordonnateur des sélections nationales. Quand on consulte la convention MINCEF FECAFOOT, nulle part là-dedans, il est dit qu'il est stipulé que le ministère peut
procéder à la nomination des coordonnateurs, du coordonnateur tout au moins. Malheureusement, c'est ce que le ministère a fait, en nommant M. Benjamin Didier Banlock à la coordination générale des sélections nationales. Et quand je disais tout à l'heure que nous allons peut-être revenir questionner la conformité du décret, de la convention au décret, c'est de cela que je parlais. Nous y sommes donc. Certes, les conventions tiennent de loi aux partis qui les ont faites. Ça veut dire que, en principe, les termes ou les dispositions de cette convention sont celles qui seraient applicables pour les cas mentionnés, notamment le recrutement des encadreurs de nos sélections. Mais pour cela, il faudrait qu'elles soient légalement constituées. Autrement dit, qu'elles soient en conformité avec le décret qui est la norme supérieure. En principe, en fonction du principe de la hiérarchie des normes juridiques. Alors, vous voulez reprendre ? Ah, vous êtes terminé. Bon, je crois que j'ai terminé sur la D'accord. question pour que nous comprenions pourquoi la Fédération Camerounaise de football peut être dans la posture de celle qui ne veut pas valider les nominations qui ont été faites. Si je voulais relancer, Hervé, vous vouliez intervenir sur... Non, je disais tout à l'heure que si on a fait dire... Moi c'est ça que j'ai dit, on a un problème avec nos diplômés, on a un problème avec nos intellectuels. Parce que quand le président de la République dit que l'État doit reprendre les choses en main, j'essaie de paraphraser. Oui. Et je peux imaginer que le président n'a pas tous les décrets en tête. Dans sa tête, il n'a pas tous les décrets. Oui, mais je veux dire que si le président décide... Oui, oui mais c'est ça que je dis. Il se prononce de façon publique. Oui. Il encadre quand même cette sortie d'un minimum. Exactement. Donc, et c'est ça le problème de la malgouvernance. C'est la malgouvernance. C'est-à-dire que on fait dire des choses au président. En fait. Hein? Parce que son discours s'appuie sur des éléments qu'on donne au président. C'est-à-dire que tout ce que le président dit là, dans son discours, ce sont des collaborateurs qui sont responsables des informations qu'on doit fournir au président, qui fournissent des informations au président, et on constitue. Et le discours est constitué. Donc à partir de ce moment, si le président le dit directement, il faut un décret qui vient corriger celui de 2014. Encore que sais-je. Moi, je veux bien comprendre à quel moment dans ce discours, les gens ont le sentiment que le président de la République, autant pour moi, se porte en faux avec le décret qu'il a lui-même signé. Non, écoute, Georges Rime. Le président dit. Mais le président peut bien peut-être signer 1000 décrets. Moi, malheureusement, mon téléphone est éteint. Je vous ai lu les deux ou trois paragraphes que le président de la République a consacrés. Non, à aucun moment dans ces lignes-là, vous ne verrez ce qui est en train d'être dit. Lisez-le, malheureusement, j'ai mon téléphone interdit. Georges, allez-y. Quand il dit que le ministère a reçu des... Instruction, c'est quoi? Instruction. C'est d'aller bafouer la discussion d'un décret qu'il a pris? Exactement. Non, du tout. Écoute-moi. C'est justement ce type d'interprétation qui amène les gens à penser que... On écoute. Serge, allez-y. Quand le président le dit, il dit que le ministère a reçu des instructions. Pour faire quoi? Mais c'est bancal de dire sans accompagner l'élément juridique qui donne la force au ministère. C'est-à-dire les instructions ne sont pas au-dessus d'un décret. Même si les instructions viennent d'un président de la République. Sont pas au-dessus. L'administration est écrite. Les instructions sont orales. C'est-à-dire qu'on dit les instructions du président de la République. Mais les instructions, c'est quoi, les instructions? Le décret est là. Est-ce que les instructions du président, c'est violer ce décret? Non, je ne pense pas que le président... Finalement, tu dis la même chose que moi. Mais attends, je suis en train de dire que là où ça ne fonctionne pas très bien, c'est que le président dit une chose et les éléments pour agir ne suivent pas. D'où vient donc que le ministère agit comme souverainement, c'est-à-dire que sans se poser des questions, en violation de tout ce qui est comme disposition juridique. Alors, cette parade,
cet épisode. Je veux dire, l'entraîneur est nommé, le staff aussi. Le commerce a donné à son président de fédération 72 heures pour lui faire une proposition. Le comité d'urgence, pas le COMEX. Comité d'urgence. Oui, c'est un COMEX réduit. Pardon. 72 heures pour lui faire une proposition de coach. 72 heures sont écroulées, on peut le dire. Pas encore. Hein. C'était samedi. Oui, samedi, est-ce qu'on compte le dimanche, les 72 heures? Attendons minuit. Hein? On ne compte pas le dimanche comme ça. Je ne sais pas, mais la computation est délai. Est-ce que le dimanche, c'est un jour ouvrable? Bon, mais vous faites des jeux de scientifiques. Non, mais je dis, il faut que nous, on compte les délais pour d'autres. C'est-à-dire que dans la computation, il y a délai. Quand on dit dimanche, est-ce que dimanche, c'est un jour où on compte où, quand on dit 72 heures, c'est... La question est de savoir si définitivement la non-réaction... On ne comptera pas demain aussi. Demain, c'est férié. Voilà, peut-être. Est-ce que l'affaire est définitivement entérinée? C'est de nous poser. Je pense que nous sommes trop loin de pouvoir de décision. Elle est dans une boule de cristal, oui, c'est ça? Oui, oui. Moi, je dis, ça peut être terminé si avant la signature. Mais je vous soupçonne aussi d'être dans les couloirs d'écoute. Avant la signature. C'est pour ça que je pose la question. Avant la signature de ces contrats par le ministère et par les différents membres du staff, peut-être qu'on a envoyé les contrats à la FECAFOOT. La FECAFOOT n'a pas fait les contrats. Mm-hmm. Donc, si la FECAFOOT n'a pas fait les contrats, je crois que le débat est terminé. Hein? Ou Colbert, est-ce que on peut considérer que cette mauvaise passe est derrière nous et désormais l'entraîneur a tous les soutiens pour Non. Hervé Junior a essayé de baliser tout à l'heure en vous disant que la dernière sortie du président de la FECAFOOT laissait présager une ouverture de dialogue, parce que quand le président écrit son dernier courrier, s'il était toujours dans la logique de l'affrontement, il aurait clairement dit qu'il ne reconnaît pas ce staff et sa place n'y est pas. Mais il a plutôt... Il s'est excusé. Il a plutôt justifié le pourquoi de son être pas là avec une raison qui était valable pour tout le monde. Donc, ça présageait déjà de quelque chose. Et si jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu quelque chose, je crois qu'il y a certainement des négociations qui sont en train de se passer parce que ça nous plongerait dans une situation très, très difficile. Mmh. Je voulais expliquer quelque chose. Contrairement à ce qui a été dit, le problème pour ce qui est de l'entraîneur sélectionneur en lui-même n'est pas le contrat. Mm-hmm. L'entraîneur peut même travailler sans contrat ou même un contrat qui n'est pas validé par la Fédération Camerounaise de football. On a déjà eu des exemples. Le président IA avait refusé de signer le contrat de l'officier. Il avait refusé de signer le contrat de Jean-Paul Akono. Ah, mais il travaillait en ce moment. Sauf que pour votre fils, le président IA avait pris l'engagement de ne pas l'empêcher de travailler. Mais on a bien vu, on en parlait l'autre jour, que ça a explosé pendant la CAN parce que les joueurs sentant que l'entraîneur était faible, lui ont arraché l'équipe. Le problème se pose si jamais le salaire du sélectionneur n'était pas payé et le sélectionneur se plaint par exemple à la FIFA. C'est en ce moment-là que la FIFA essaie d'interroger le contrat pour voir que la FECAFOOT n'a pas signé. Ça commence à poser un problème. Mais si le salaire du sélectionneur est régulièrement payé, quand on signe le contrat du sélectionneur, il n'y a pas une disposition qui dit que la FECAFOOT envoie ce contrat-là à la CAF et à la FIFA. Non, ce n'est pas vrai. Le problème se pose quant à la légitimité de l'entraîneur quand il y a maintenant une compétition ou un match. Et la CAF ou la FIFA demandent donc la liste des joueurs et de l'entraîneur. C'est en ce moment-là que la FECAFOOT doit dire qui est l'entraîneur du Cameroun. Et si elle refuse l'entraîneur de l'État, il faut qu'elle dise qui
qu'il faut bien choisir un entraîneur. Et c'est en ce moment où, pendant une compétition officielle, on demande la liste officielle. Et en ce moment, la FECAFOOT doit dire qui est l'entraîneur. Et c'est en ce moment-là qu'il y aura un blocage. Donc, les deux se tiennent. Mais en dernier ressort, c'est quand même l'État qui a le dernier mot. Parce qu'au pire des cas, l'État peut décider de retirer son... Alors Georges, on parlerait plus de la fédération camerounaise. Avant d'aborder ces questions structurelles, je voudrais, je cite le président, son discours du 10 février à la jeunesse, je voudrais évoquer deux sujets relatifs à l'actualité récente et qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur. Comme moi, vous avez été certainement déçu par l'élimination précoce de nos Lions Indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je peux vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Pour le dire, 10 février 2024. Merci. Moi, je veux même pas rester là-dessus parce que ça saute tellement à l'œil, c'est comme le nez sur un visage, que de dire que le président dans ce discours n'est pas en train de nommer directement le ministère des Sports afin qu'il reprenne la main. Vraiment, c'est faire mauvaise foi. Surtout que on a parlé et vous avez pris le temps au moins pendant une heure pour qu'on pose le contexte. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où Fédération Camerounaise de football et ministère de sport s'épient et chacun guette le moyen de permettez l'expression, d'abattre clairement l'autre. On l'a dit ici, nous tous on était d'accord là-dessus, le contexte était celui-là. Donc lorsque la voix la plus autorisée du pays vient et nomme directement, ça avait été la Fédération Camerounaise de football, il y aurait eu la même récupération. S'il avait dit dans ce discours qu'il félicitait les Lions Indomptables, qu'il demandait aux Lions de repartir de l'avant et que peut-être pas extraordinaire. Il avait dit, je souhaite même que Rigobert s'en soit prorogé parce que je dis pas extraordinaire. Je vous assure, il aurait été prorogé. Donc, la voix la plus autorisée dit une chose et forcément, dans le contexte de combat dans lequel nous sommes, on récupère et on fait ce que le ministère des Sports est en train de faire aujourd'hui. Mais je reste sur votre question pratiquement... Qui est un peu la question que vous avez posée sur le bas de l'écran. What next? Sur où est-ce qu'on va? Quelle est donc la suite? Et puis, Colbert l'a dit, c'est ce que nous voyons en ce moment, c'est que la position, au moins dans le discours, au moins dans les éléments de langage utilisés par le président de la Fédération Camerounaise de football, sa posture est différente. Sa posture est différente de la première missive qu'il envoie à la suite de celle que son secrétaire général envoie, où ils sont secs. Clairement, et où ils disent quasiment qu'ils se réservent le droit de nommer un autre staff. Dans sa réponse au ministre des Sports, il est beaucoup plus posé. Est-ce que c'est pour mieux rebondir derrière? On attend de voir. Mais une chose est certaine, on n'est pas dans une situation normale. On n'est pas dans une situation normale. Et c'est pour cela que le ministère des Sports, qui est bien conscient de l'enjeu, mais fait venir rapidement Marc Brice. Marc Brice doit venir le 12 avril. C'est connu de beaucoup de journalistes parce qu'il le dit à certains journalistes lui-même. Et il vient précipitamment dans la nuit de dimanche à lundi et précipitamment on le fait signer un contrat. Et aujourd'hui, il est déjà en train de visiter les infrastructures. Mais vraiment, il faut juste ne pas chercher à comprendre qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et puis, Dibita, je m'en voudrais parce que c'est une émission à la base politique, la vôtre. On est dans des circonstances de fin de règne. N'oublions pas ça, le football n'échappe pas à ça. Oui, mais je veux dire qu'il y a 10 ans, quand il y a Mohamed et je ne sais pas qui se tripait, ouais. On n'était pas dans ce contexte. Mais c'est ce que Colbert a dit tout à l'heure. Dibita, on n'était pas arrivé jusqu'à ce niveau.
il y a Mohamed à contester, mais Mohamed ne s'est jamais mis en porte-à-faux devant Otto Pfister. Il a laissé les choses se faire d'elles-mêmes. Il a même dit qu'il laissera l'équipe jouer. Jean-Paul Akonou n'avait pas le soutien de la Fédération Camerounaise de football, mais il a travaillé. On n'est jamais arrivé à une situation où, à laquelle nous sommes actuellement, où la Fédération Camerounaise de football est capable, menace, indique même qu'elle va nommer un autre staff technique. Donc on peut se retrouver dans les prochaines heures avec deux staffs techniques à la tête des Lions Indomptables. Ce sera inédit. C'est donc pour vous dire que c'est inédit parce qu'en ce moment, le Cameroun est dans une situation, dans une position inédite et vous recevez les acteurs politiques qui le disent ici tous les jours, qui parlent même des élections qui pourraient être anticipées. On est dans une situation inédite et le football, contrôlé comme on l'a dit tout à l'heure, par des mains qui ne sont pas toujours des mains du football, sont en train justement de le contrôler, de nous amener. Georges, la suite de cette histoire, c'est la question de sortie. Comment on fait pour... la question est-elle entérinée? Coach va-t-il commencer son boulot sereinement? On a un défi, on a une échéance en juin. Est-ce que, malgré tout, on se dit Marc Brice est là et qu'il travaille? Avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur ce discours. D'accord. D'ailleurs, nous tous convenons de ce que les gens font beaucoup d'interprétations de ce discours et chacun selon l'angle sous lequel il veut le prendre. Je le redis, nulle part dans ce discours, le chef de l'État, du moins selon les termes de ce discours, n'a dit au ministre va nommer un entraîneur à la place de la Fédération Camerounaise de football. Les instructions peuvent également aller dans le sens. Pourquoi les gens ne veulent pas faire cette interprétation? De lui dire, ben, sois un peu plus regardant. Je crois même qu'il le dit d'une certaine façon. Justement, est-ce que ce discours, je vous relance, oui, n'est pas pour dire au ministère des Sports, si on n'a pas de résultats, c'est aussi un peu votre échec. Donc, je vous demande de prendre des mesures pour qu'on ait des victoires, pour qu'on ait des résultats. Et qui sait peut-être, le résultat passe par le staff des entraîneurs. Si c'est donc ça, qu'ils prennent un autre décret abrogeant celui de 2014, c'est tout. Est-ce que le discours du chef de l'État, tout chef de l'État qu'il est, n'a pas force de loi. N'a pas force de loi. Après ce discours, donc, tu prends. Vous voyez une contradiction entre le discours du président et l'instruction et le décret. Et les agissements du ministre. D'accord. Qui me font penser que, quelque part, le ministre se sert de ce discours-là, un peu comme un paravent pour poser les actes qu'il a posés. D'accord. Bien. Maintenant, pour répondre à la question que tu as posée, il est urgent que les deux parties mettent un peu d'eau dans leur vin. Nous avons loupé une période FIFA, certainement parce qu'il n'y avait pas d'encadrement sur le banc technique, sur le banc de touche de notre sélection nationale. Cette période FIFA nous aurait peut-être permis de corriger un ensemble de choses que nous avons décriées, du moins sur le plan technique, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ose pas imaginer, vraiment c'est le vœu que je formule, je n'ose même pas imaginer que les deux entités campent sur leur position, tout au moins la Fédération Camerounaise de football, puisque tout porte à croire que le ministre maintiendra les nominations qu'il a faites, tout au moins pour ce qui est de l'entraîneur Marc Brice, de ses assistants, qu'il a fait venir et de ses adjoints officiels, Oman Biyik, Alioune Boukar. Vous avez certainement remarqué que lors de la cérémonie de signature des contrats hier, il y a cinq ou quatre des membres de cet encadrement technique qui n'ont pas paraphé les leurs. Peut-être. Je dis peut-être, je ne dis rien à l'absolu. Ils sont concernés par la FECA faute. C'est peut-être que les négociations auxquelles faisait a fait allusion Colbert, j'ai dit peut-être, iraient dans le sens de ce que un compromis soit trouvé entre les deux parties. Surtout avec le cas Balok. Bien évidemment. D'ailleurs, ça a été... C'est un cas spécial. Le cas spécialement cité par, dans le deuxième communiqué de la Fédération Camerounaise de football
au ministère. Donc je pense qu'il faut que les deux parties parviennent à un compromis qui satisfasse tout le monde. Moi, le compromis que vers lequel j'irai, ce serait que bon, l'entraîneur et ses adjoints officiels, y compris les assistants qu'il a amenés, sont maintenus, et puis que la fédération s'occupe du reste, le coordonnateur général, team manager, etc. D'accord. Etc. Alors, si je nous reste deux minutes, vous direz un mot, Colbert et puis Hervé Junior, si on sortira de l'émission après. Je crois que Colbert a planté le décor pour Watness. Là où ça fait mal, c'est que même les prérogatives qui sont strictement réservées à Fecafoot, le ministre Ali a retiré ces prérogatives-là. Je crois que là, il faudrait revoir ça. Hein, pour qu'on avance un peu, il faut le voir, il faut s'entendre, hein, trouver un terrain d'entente sur team presse, coordonnateur, team manager et tout, s'entendre. D'accord. Et ouvrir le vrai débat là-dedans et accepter, parce que là-dedans, il faudra un peu laisser quelque chose, hein. Il ne faudra pas être rigide. Je crois que le ministère des Sports, qui a tout nommé, devra certainement laisser certaines positions à la Fecafoot, pour qu'on revienne de très bons sentiments. Hervé Junior et Colbert. Ben moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé d'un facteur, le facteur jeu, le facteur terrain. Et tout à l'heure, on évoquait cela, on disait qu'en 2008, on était quasiment dans cette situation et les joueurs, finalement, ont pris le pouvoir eux-mêmes. Les joueurs, tout dépendra du feeling, peut-être sera la petite différence, c'est que tu ne sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir à Marc Brice. S'ils adhèrent à Marc Brice et qu'on fait un résultat, on part plus. C'est plus la même histoire. D'accord. Même la Fecafoot va s'aligner. Parce que les joueurs, finalement, c'est eux qui vont décider et c'est eux qui vont amener le public derrière eux. Le même public là qui est versatile. S'il y a des résultats au bout, ils vont dire ben, laissez ça comme Colbert. Ça et avançons. Je crois qu'il faut sortir des débats d'interprétation et aller vers la réconciliation. Personne ne sait ce qu'a dit le président au ministre des Sports, même si dans son discours, il apparaît clairement qu'il donne un peu plus d'énergie au ministre des Sports, mais personne ne le sait, ni la Fecafoot, c'est le ministre des Sports, lui seul qui sait ce que lui a dit le président. Donc la posture la plus facile aujourd'hui serait de contester les actes au nom et non entrer dans les interprétations de parce qu'à un moment, ce serait pris même comme de l'insubordination de dire au président, si tu veux dire ceci, prends un acte. Il faut aujourd'hui négocier. Au moins, il y a une faute de gestion que le ministre a commise, c'est celle de nommer le coordinateur général des équipes nationales. Donc c'est une bonne base de négociation. Je crois que chaque encadrement technique, même si Brice n'était pas le meilleur produit sur le marché, il n'en demeure, il n'est pas en soi un scandale. Même s'il n'a jamais dirigé une équipe nationale, il a quand même 25 années environ de vécu comme entraîneur. Et on ne lui demande pas d'être entraîneur de club. Entraîneur de sélectionneur, c'est plus avoir le feeling, gestion des hommes et construire rapidement un système de jeu lisible. Donc on peut lui donner sa tâche. Et comme Hervé Junior et Serge ont dit, on peut aller sur le staff purement technique qui est là, Brice, ses assistants, les adjoints, et maintenant ceux qui sont plus du ressort de l'administratif et de la communication qui incombe à la Fecafoot. Ça veut dire le team manager, je ne vois pas quel intérêt le ministre a nommé le team manager, le team press, le coordonnateur des équipes d'engagement, son adjoint, peut-être arriver à une solution où le président de la Fecafoot reprend ça à main, un bon consensus. Je l'ai aussi dit, Colbert, tu ne m'as pas cité. Et comme l'a dit si brillamment Georges. Georges, j'avais dit Colbert. Merci. Et vous avez pu remarquer, on a tout fait pour ne pas faire le débat technique sur les textes. Il fallait interroger votre expertise au-delà des acteurs, au-delà des textes, pour ressortir un peu de cet amalgame juridique. Exactement. Et mieux faire comprendre la question à nos téléspectateurs. Merci à vous à la maison, on espère que vous en avez appris. Et qui sait peut-être le mal que l'on souhaite à tous les acteurs, c'est de se mettre ensemble
et donner un meilleur tonus à notre équipe nationale qui a des défis, la qualification pour la Coupe du Monde, mais d'abord la Coupe d'Afrique de 2025. Bonsoir et à mardi prochain.